Alors, pour la dernière, ça y est, j'ai eu mes autocollants, ceux de colonne. Je ne savais pas trop s'il fallait les mettre au milieu, un peu plus haut, un peu plus bas. Je l'ai mis un tiers haut. J'ai cherché un peu des photos, j'ai rien trouvé. Et bien sûr, les autocollants de poutre. Bon, lui, et puis bien sûr, l'autre en face. Ça va bien le blanc, hein. Blanc sur blanc. Chromé, vidré, quoi. Voilà. Je vais peut-être vernir par-dessus quand même. Et à la suite, vous verrez l'éclairage. Je vais monter le faisceau. Au pire, vraiment au pire, hein, sans le cabochon arrière, parce que j'arrive pas à en trouver. Mais bon, avec l'ampoule qui marche. Si j'en trouve une, parce que comme vous voyez, il n'y a que la douille. Je l'ai décoincée, hein. Donc elle bouge, elle sort. Voilà. Je la laisse parce que dessus, on voit exactement ce que c'est. Je crois que c'est une 6 volts. Je ne me rappelle plus, j'ai regardé ça il y a 15 jours. Voilà, on fera un essai de phare, un essai moteur une dernière fois. Et ensuite, eh ben, rouler jeunesse, ça c'est un chiffon, hein, c'est pas une saleté. Voilà, à tout à l'heure. Bon alors, je vais tâcher de remonter l'électricité. Celui-là, en fait, c'est celui que je vais faire partir pour le feu arrière. Donc je vais l'enlever pour le remplacer par le neuf que j'avais préparé, que j'ai changé jusqu'au bout là-bas. Hein. Alors, celui-là. Ben, ce sera celui qui vient prendre le jus là. Mon problème, c'est savoir comment passe le faisceau. Là, j'en sais rien du tout, mais vraiment rien. A priori, ça irait comme ça. Là, ça monte le long de la colonne. Je remplace le jaune par mon noir. Et le transfert de l'avant vers l'arrière se fait ici, dans le phare. Par contre, je vais essayer de trouver sur des photos comment passent les fils à ce niveau. Je ne crois pas qu'ils passent là sous la patte, puisqu'il y a déjà le fil de bougie et qu'il n'y a pas d'autre place. Je ne vois vraiment pas où c'est que ça peut passer. Bon, je vais chercher un peu. Alors, redémontage du phare pour voir un peu ce qui se passe. Alors, le plus général est là et le bouton alimente à la fois l'ampoule avant par cette languette et le feu arrière par la cosse qui est là en même temps. C'est tout ou rien. Donc pour le général, je vais prendre une cosse ronde femelle, banane d'ailleurs ça s'appelle, ça sera pour le général, et la mâle, la banane mâle là-bas pour le feu arrière, et ça devrait le faire. Bon, je l'ai passé derrière. Par contre ici, ça me chagrine un peu parce que c'est sur la ferraille et ça me plaît pas bien. Je sais pas du tout comment c'est normalement. Je peux le caler un peu là, mais bon, ça chauffe quand même un peu, quoique peut-être. Le coincé dessous, ça m'embête un peu, mais j'ai de la gaine thermo, je pourrais en rajouter un bout. Voilà, pour le moment, je vais le caler là, comme ça je pourrais remonter le capot. Voilà, en fait, il n'y a qu'un plus, hein, et après, toutes les masses sont faites par les retours de masse, moteur, ferraille, cave, tout ça. Voilà, ça devrait le faire, hein. Je vais monter l'écosse, c'est vite fait ça. Je vais essayer de garder un peu de longueur de fil que je vais en tortiller un peu au fond, pas beaucoup, hein, 5 cm de rab à chaque fois. Et on va voir. Voilà, les deux fils sont montés. Ça passe bien, j'ai fait passer par derrière le guidon. Et ici, je pense que je mettrai un petit rizlan pour tenir le tout, que ça balade pas trop. Juste en haut, là. À ce niveau-là, je pense. Pour le moment, non, mais je vais le faire. Voir en bas.
On verra, ça dépend dans quel sens ça balade le plus. Puis si quelqu'un a une idée pour le passage là, qu'il me le dise, ou une photo même, ça me suffirait. Voilà, donc tout est raccordé. Reste plus que mon raccord sur le fil neuf, entre le fil neuf et l'ancien fil qui passait dans la nervure du garde-boue. C'est-à-dire ici, là le neuf et là l'ancien que j'ai retenu dans la nervure. Ouais, faut que je fasse un raccord banane, je pense, aussi. J'ai mâle et femelle, j'ai. Bon alors, comme je l'ai déjà dit, pour le raccord arrière, au niveau du feu, c'est fait. Bon, il me manque donc l'ampoule. Si besoin, je ferai, c'est la même douille que les 4-5 volts des... Ouais, ça a l'air. Des lampes plates, là. Je ferai un essai avec ça, au besoin. Là, peut-être nettoyer le contact qui est un peu vert de gris. Au démontage, j'avais vérifié que le fil ne soit pas dénudé dans les angles là, comme ça, ni là-dessous, parce que c'est à partir de là qu'il passe dans la rainure. Il était bon, donc je n'aurai pas de masse à ce niveau-là. Et donc, je vais faire mon raccord ici. Par contre, il faut que je trouve un bon passage de fil pour pouvoir planquer tout ça là-bas dessous. Allez, je vais faire ça. Bon, je sais pas si on le verra, mais là, j'ai fait un tour du pivot, de l'axe, tendu, un tour autour de cet axe, là-haut, derrière, le fameux raccord fiche banane, et maintenant, je vais mettre ça derrière la nervure du garde-boue, comme ça, et en plus, il y aura la pompe. Là, il y a la pompe qui vient, donc la pompe empêchera le tout de sortir, genre comme ça. Moi, ça m'ira. Sinon, au pire, je le cache derrière cette nervure du comment ça s'appelle déjà, ça, porte-bagages. Voilà, donc je vais essayer de trouver une ampoule. Bon, voilà ce que ça donne à peu près. Ouais, ça, je pourrais même le mettre. Ça va derrière. Bon bref, c'est pas ça. Je reprends parce que il faut absolument qu'il n'y ait aucun contact de ce raccord, si vous en avez un, avec la ferraille, hein, malgré la peinture. C'est source de mise à la masse et arrêt de l'alimentation et surtout coupure moteur. Puisque ça fait une masse sur les bobines et pouf. Bon voilà, je vais essayer de trouver l'ampoule donc. Ouais, j'ai mis une ampoule de lampe donc, mais c'est une 3,5 volts et 0,8 watts. À mon avis, ça va juste faire pfiouf. J'aurai même pas le temps de voir si ça marche. Bon, par contre, entre temps, hein, oui, j'ai remonté l'optique du phare avant, juste posé et serré à la main, ça tourne encore. Hein, parce que s'il faut retoucher, refaire les contacts, comme ça, ça sera plus facile. Bon, je suis allé faire un tour. Et ben, désolé, mais le feu, il a marché 15 secondes. J'ai eu le temps de vérifier. Par contre, derrière, ça marchait pas. Elle a dû claquer de suite, puisque j'ai vérifié d'abord l'avant. Ouais, c'est mort, ça. Pensez 3 volts et 0,8 watts. Du coup, ben, à mon avis, l'ampoule avant, elle a grillé avec. Vu qu'elle était toute seule. Ça fournissait et clac. Bon, mais ça marche mon faisceau. Il reste tout à trouver les ampoules et le cabochon arrière. Sinon ça va. J'ai refait l'avance, mais ça avait pas bougé, donc c'est ok. Et ben normalement c'est fini. Allez, juste un dernier essai, un truc que j'avais jamais fait, ça doit être casse-gueule. Hein. Là, en plus, il n'y a pas trop de frein. C'est le fameux virage où vous croyez, là, le trottoir, où vous croyez que je me prends les bagnoles. Mais vous inquiétez pas, les bagnoles elles sont loin. Ça, c'est le virage du haut. En fait, il marche super bien. Là. Sauf que mon frein avant, je le re-règle. Voilà.
là, pour vous prouver que c'est pas des conneries. Ah si, ça va finalement, on y arrive. Et ben voilà, l'aventure est quasi terminée, les lumières ça marche. Il n'y aura que les ampoules à changer, je pense. Le ralenti, c'est nickel. Il redémarre bien. Après, vous avez vu le virage, ça descend. Et après le virage, ça monte. Bon, mais ça repart bien. Sans pédaler, nickel. Il tourne bien. Là, je ne touche à rien. Même pas le frein. Il est au ralenti. J'ai vérifié, le galet ne tourne pas. Ne bouge pas le pneu. Donc, c'est bon. Et je l'arrête. Et donc le décompresseur marche nickel aussi. Tiens, voilà une vue inédite du moteur. Joli. Allez les gens.